Un film émergera pour la première fois au Festival de Cannes. Le prestigieux Festival de Cannes ouvrira sa 76e édition du 16 au 27 mai 2023. Ce festival réunit chaque année les plus grands talents du cinéma mondial. Organisé sur les rives de la Côte d'Azur, il offre un véritable terrain d'expression à de nombreux films d'auteurs ou de genre en provenance des quatre coins du monde. Cependant, pour y participer, un film doit passer par une sélection sévère. Pour l'édition 2023, ce festival verra pour la première fois la participation d'un film émergera. En effet, le film Aham Yalra, Maqaren Sahmo, La Maison Brûle, Autant se réchauffer, est sélectionné pour ce festival. Il s'agit d'un film en berbère réalisé par le jeune réalisateur algérien Mouloud Aitlotna. Ce film a été sélectionné et sera donc présent et représentera le cinéma d'expression amazigh à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes pour la première fois de l'histoire du festival. Ainsi donc, c'est avec un moyen métrage que le jeune réalisateur Mouloud Aitlotna marque la première participation d'un film berbère dans l'histoire de ce prestigieux festival. Ce film a été tourné dans la région d'Eit Mlikesh, dans la wilaya de Béjaïa. L'équipe technique et artistique du film est exclusivement algérienne.